Famille, famille, famille. Oh, merci famille, merci pour le pouce. Merci parce que vous savez que ce que je fais, c'est un bon boulot et pour cela, vous mettez le pouce en l'air. Merci pour vos commentaires, merci pour cette chaîne de renseignements sur la Green Card, de renseignements sur la vie américaine, cette chaîne aussi de prédication, je mets des prédications, cette chaîne de bénédiction, on pourrait dire, cette chaîne, c'est Herman Ivoirien Isa. Alors aujourd'hui, on va aller au Sénégal, chez un frère qui s'appelle Diarga Touré, voilà, qui a donc posé une question. On va écouter très rapidement. Merci, mon frère Herman. Vous êtes actif, vous êtes très, très actif. Je suis content, je suis fier de vous. Je suis de très, très bonnes vidéos, toutes bonnes vidéos. À l'heure actuelle, j'ai un ordinateur PC. J'ai presque téléchargé la moitié de vos vidéos dans mon PC. Je suis très, très content de ce que vous faites. Bien vrai, vous êtes Ivoirien, moi, je suis du Sénégal. Mais vraiment, ça m'a permis beaucoup de voir les choses. Inch'Allah. Excusez-moi. Voilà, donc on va écouter sa question. Ne quittez pas comme je suis au volant. Alors, on est au Sénégal aujourd'hui avec le frère Diarra. Merci, mon frère Herman. Vous êtes actif, vous êtes très, très actif. Je suis content. Alors oui, bonsoir mon frère, ça va Herman, comment tu vas? C'est toujours Diarga Touré au Sénégal. Bon, ma première question, vous n'avez pas toujours répondu, j'ai entendu des réponses que vous avez données pour d'autres questions. Récent, votre vidéo récente là. Oh, excusez-moi, ça c'est sa deuxième question, je cherche la première question qu'il avait posée. Attention, je vois ici. Allô, bonjour Herman, comment tu vas? Alhamdulillah, oui, moi je vous appelle de Sénégal. Je m'appelle Diarga Touré. Oui, comment vous allez? Alhamdulillah. Oui, bon, moi je vais juste poser une question là. Est-ce que un sponsor pour sponsoriser un couple? Imaginez si vous avez quelqu'un qui veut vous sponsoriser. Mais moi je vais en couple. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut me sponsoriser avec le couple quoi? Ou bien c'est chaque personne qui doit sponsoriser quoi. Je ne sais pas si tu as compris ma question. Oui. Voilà, donc au fait, il demande si lui, il a réussi, c'est-à-dire il a joué et ça a marché. Maintenant, il demande si lui, il est en couple, ils sont deux. Donc, est-ce que le sponsor peut prendre les deux personnes? Ça aussi, c'est important de poser une telle question. C'est une bonne question qu'il a posée, n'est-ce pas? Est-ce que, quand on dit sponsor, là, c'est chaque personne? Parce que lui, il est en couple, donc ils sont deux minimum, n'est-ce pas? Donc, il pose cette question. J'aimerais répondre à cette question pour dire oui. Parce que le mariage, c'est un lien sacré. Même les blancs, ils respectent le mariage. Dans le mariage, lorsque deux personnes se mettent ensemble, vous pouvez faire tout à deux. Ici, vous pouvez acheter la voiture à deux, mettre le compte bancaire, vous deux, votre nom sur le même compte bancaire. En tout cas, même dans le mariage, on parle de bien commun, un truc comme ça. Donc, je pense que oui, voilà, un seul sponsor peut sponsoriser deux personnes pourvu que vous soyez liés, c'est-à-dire vos enfants, bien, vous êtes mari et femme. Donc, mon frère Diarga Touré, cette première question, je dis que oui, le même sponsor peut vous prendre vous deux. Voilà, ce n'est pas chaque personne un sponsor, non, c'est pas comme ça. Si vous êtes marié et que c'est prouvé, la même personne peut vous prendre vous deux. Alors écoutons donc la suite de son audio. Alors oui, bonsoir mon frère, ça va Herman, comment tu vas? C'est toujours Diarga Touré, Sénégal. Bon, ma première question, vous n'avez pas toujours répondu, j'ai entendu des réponses que vous avez données pour d'autres questions récentes, votre vidéo récente là, de hier. Mais moi, ma question, ma première question, vous n'avez pas toujours répondu ça. Mais je passe à la discussion à l'écoute. J'ai encore envie de poser une autre question. C'est la suivante. Quelle est la durée entre la sélection et l'interview? Quand on sélectionne pour le Green Card, supposons, quand on sélectionne le Green Card de 2019, qui est en cours. Maintenant, si on sélectionne, quelle est la durée entre la sélection et le jour de l'interview? Quelle est la durée entre les deux périodes-là? Ouais, si vous êtes sélectionné, vous partez tout de suite à l'interview ou bien il y a une durée que vous préparez à l'interview?
C'est un peu ma question, ma deuxième question. Voilà, c'est ça mon ami. C'est pas la première, est-ce que un sponsor peut sponsoriser deux couples? Ou bien c'est ça que un couple qui est conjoint qui doit s'asseoir sur un sponsor, ou bien un seul sponsor peut sponsoriser un couple? Voilà, c'est voilà, ma première question et ensuite la deuxième question. Voilà. C'est ça, Herman, on est ensemble. Je suis très très content de vos vidéos là. Voilà, je suis de très près, Charles. On est ensemble. Je souhaite un nouveau prix pour nous, pour que je sois sélectionné. Après peu de temps, je vous ai envoyé mon numéro de confirmation et comment j'ai le reçu de confirmation que j'avais joué. Voilà, c'est ça, mon frère. On est ensemble. Voilà, donc. Diarga Touré que je salue ici, il pose quand même de très belles questions, il pose de très belles questions. Dans la deuxième question, il voulait savoir si lorsque tu es sélectionné, en même temps tu dois partir à l'ambassade. Non, il y a un temps et je pense que c'est presque un an. C'est-à-dire, on joue par exemple en 2019, ceux qui vont jouer en 2019, en octobre qui va venir là, votre résultat va sortir en mai 2020. Vous voyez? Et maintenant, lorsque le résultat sort en mai 2020, je vais faire une vidéo sur le visa bulletin. Le visa bulletin, c'est là-bas que tu vas pour voir la date de l'interview. La date de l'interview peut faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça dépend, ça peut durer. Vous voyez? Donc, tu as joué en 2019, en octobre, tu es obligé d'attendre en mai 2020 pour le résultat. Et quand le résultat sort maintenant, on t'envoie un mail. Et c'est dans ce mail-là qu'on te donne la date d'interview. Vous voyez, la date d'interview, ça peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend, franchement, ça dépend. Vous voyez, moi, le résultat, mon résultat était sorti. Excusez-moi, je viens prendre l'autoroute. Donc, voilà, mon ami, laisse-moi passer, j'ai la priorité. Donc, vous voyez, quand tu joues, tu attends un an, tu joues en octobre. Tu attends en mai, ok, pour le résultat. Et quand le résultat sort que tu as été validé, tu t'en vas remplir ce qu'on appelle la DS-260. Tu remplis la DS-260 et quand tu finis de remplir, que tu balances, ça dépend du temps qu'ils vont prendre. Et ils vont t'envoyer un mail où ils vont te donner la date de l'interview. Donc ça peut faire 1 mois, 2 mois. Donc au fait, ce qui retarde ta date d'interview, c'est la DS-260. Ce qui retarde la date d'interview, c'est la DS-260. Si tu n'as pas vite rempli, ils ne vont pas te dire quand tu passes à l'interview. Parce qu'ils ont besoin de ce document-là pour te donner une date. Voilà, vous voyez maintenant, non? Donc, la date d'interview dépend, si je ne me trompe pas, de ce que tu vas remplir lorsque ça a marché. Donc, on va se poser. Cette vidéo sera peut-être un peu plus longue, hein, parce qu'il faut que j'explique bien. Ok? Lorsque tu as joué en octobre, tu attends mai 2020. Tu as joué en octobre 2019. Tu passes ou tu passes pas? Tu as joué en octobre 2019. Tu attends mai 2020. Excusez-moi. Hein. Tu attends mai 2020 pour le résultat. Le résultat est sorti en mai, n'est-ce pas? Dès que ça sort que tu es sélectionné, va en même temps remplir le dossier qu'on appelle la DS-260 avec le numéro de confirmation dont il a parlé là. Tu prends le numéro de confirmation, tu vas faire ton passeport et quand tu finis de faire ton passeport, tu vas directement pour remplir le document DS-260. C'est dans ce document là que tu vas introduire l'adresse de ton sponsor. Vous comprenez? Et quand tu finis d'introduire l'adresse de ton sponsor, tu envoies le mail à ce qu'on appelle QCC. Et QCC va observer, analyser ton mail, analyser le document que tu as rempli, analyser l'adresse de ton sponsor, si vraiment c'est une adresse valide, si la personne vit vraiment aux États-Unis et que si tout est confirmé du côté de ton sponsor et ton dossier, tes résultats, ce que tu as mis comme réponse, alors on t'envoie un mail pour te donner la date d'interview. Très souvent, les gens ne vérifient pas leur mail. Moi-même, ça m'a surpris, hein. On m'a envoyé la date une semaine plus tard avant que je ne vérifie. Je ne regardais pas mon mail. Oh, il y a longtemps, on m'a programmé. Vous voyez? Donc,
Dès que tu envoies le DH260, il faut toujours aller sur ton mail. Il faut toujours vérifier ton mail chaque deux jours, chaque trois jours, chaque deux jours, chaque trois jours. Maintenant, il y a l'internet partout. Tous les jours, il faut vérifier. Dès qu'on t'envoie la date d'interview, alors tu commences à préparer tes documents par rapport à la date. Si la date est proche, c'est pourquoi je dis aux gens, quand tu es sélectionné, il faut commencer à faire des documents. Mais il y a des documents qu'il ne faut pas faire très tôt. Par exemple, comme le document de la police là. Casier judiciaire, ça fait seulement 3 mois. Si tu as fait ça très tôt et que la date n'est pas encore arrivée, tu vas refaire encore. Voilà. Donc, vraiment, c'est des calculs. Donc, comme M. Diarga dit, lorsqu'il sera sélectionné, il va m'envoyer son numéro de confirmation. Il n'y a pas de souci, on va travailler ensemble. Voilà. Mais j'aime faire les vidéos pour que ça puisse aider d'autres personnes. Sinon, je pouvais les répondre tout seul. Mais j'aime faire des vidéos pour que ça puisse aider d'autres personnes. Parce que moi, j'ai l'amour d'aider mon prochain. J'aime apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Comme ça, quand quelqu'un aussi est béni, Dieu te bénit et la personne elle-même peut être reconnaissante. Vous comprenez? Oui. Tout ce qu'on fait là, ce n'est pas en vain. Le bienfait n'est jamais perdu. Vous voyez? Quand tu fais du bien, Dieu te bénit. Mais aussi la personne peut être reconnaissante. Alors merci à tous. Comme la vidéo est un peu plus longue, je vais m'arrêter là. Donc mon frère Diarga, au travers de toi, je salue tous les Sénégalais. Voilà, tous les Sénégalais. Voilà. Alhamdoulaye, c'est ça non? Moi je suis chrétien. Voilà, je suis chrétien. Donc nous on dit shalom. Donc merci à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et puis, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, alors likez, commentez. Posez vos questions, ça c'est la chaîne pour tout le monde. Et puis, abonnez-vous pour les autres vidéos. Voilà, merci à tous et à toutes. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui est lundi. Bonne semaine à tous et à toutes.